poser la question. Si tu partais sur une île déserte, laquelle tu emmènerais? C'est la plus longue, mais pour moi c'est la plus belle. La Camargue d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicile. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, ô mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. De mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord. Après la plus courte, peut-être la plus longue. Après la... Les primates. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du qu'en dira-t-on. Avec un pudeur, c'est comme elle lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère a défendu de nommer ici. Car au gorille, bien close, où vivait le bel animal, souffrante, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, il sait aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous saviez deviner, j'espère. Car au gorille, patron de la ménagerie, criait éperdu nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle le fit fener de fuseau. Car au gorille, celle-là même qui naguère le pouvait d'un œil décidé fuir, prouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Car au gorille,